Yo. Et bienvenue pour un nouvel épisode de Liberated. On avait fait la BD numéro 1, 2 et 3, je crois. Bon, on va continuer, on verra bien. Je crois qu'il nous en reste 3. Il reste 4, 5, 6 à faire. Sans compter les DLC. Frank. Bonjour, Franck. Harry, I should shoot you where you stand. Je devrais te tuer sur place. But you won't. Mais tu ne vas pas le faire. First, you don't have a gun. Déjà, parce que tu n'as pas d'arme. Second, there are three liberated snipers with their sights fixed on you. Et ensuite, parce qu'il y a trois tireurs d'élite, des Liberated, qui t'ont en ligne de mire. What do you want? Qu'est-ce que tu veux? It's time to end this, Frank. Il est temps d'en finir, Frank. Sure, call off your snipers and let's settle it like we did in the old days. D'accord, ordonne le retrait des tireurs et on va régler ça à l'ancienne. Careful. I wouldn't be acting so tough if I were you. Fais attention, si j'étais toi, j'éviterais de jouer les ours. Fuck you, Harry. Just tell me one thing. Why'd you do it? Why'd you betray us? Je t'emmerde, Harry. Dis-moi un truc. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous trahis? Because they took everything from me. Parce qu'ils m'ont tout pris. The constant surveillance, the lack of privacy, the crippling penalties. It ruined Mary's life, Frank. It drove her to suicide. La surveillance constante, la disparition de toute forme d'intimité, les pénalités gargantuesques, tout ça a ruiné la vie de Marie. Ça l'a poussé au suicide. We all mourned when Mary left us, Harry. But that doesn't give you the right to murder innocent people. Nous avons tous pleuré Marie quand elle nous a quittés, Harry. Mais ça ne te donne pas le droit de tuer des innocents. Shut the hell up. You're just as much to blame. All this was our fault, Frank. Ferme-la, tu es autant responsable que moi dans cette histoire. Tout ça de notre faute, Frank. We're the ones who taught the police force. They're above the law. C'est nous qui avons enseigné aux forces de police qu'elles étaient au-dessus, qu'elles étaient au-dessus de la loi. Des lois, pardon. Stick someone with a crime, just make up a charge. Resisting arrest, assaulting a police officer, disturbing the peace, say whatever you need to in court, even if it means lying in front of a jury. Que s'il n'était pas possible de prouver un crime, il suffisait d'inventer un délit, résistance à agent, agression d'un policier, trouble à la paix, peu importe du moment qu'on obtient la condamnation. A potential threat is a potential threat, right? The ends justify the means. Un danger potentiel reste un danger, non? La fin justifie les moyens. I'd like to believe we had good intentions, but we all know what the road to hell is paved with. J'aimerais encore croire que nous avons de bonnes intentions, mais on sait tous de quoi l'enfer est pavé. And let's not forget our masterpiece, Frank, our coup de fucking grâce. Behind every trumped-up charge, every bogus sentence, there's the CCS, a nationalized protection racket owned by our nation's wealthiest.
Et n'oublie pas notre chef-d'œuvre, Frank. Notre putain de coup de grâce derrière toutes ces fausses accusations, ces jugements douteux, se cache le SCC, un racket à l'échelle nationale possédé par les riches du pays. Et nous sommes les muscles, lapdogs to avarice and ambition, patsies who terrorize the people we're supposed to protect. Et nous sommes les hommes de main des Cerbères au service de l'avarice et de l'ambition, des prédateurs terrorisant les personnes que nous devrions protéger. And what do we get in return? A few medals, a pat on the back, a nice pay raise. Mais qu'avons-nous eu en retour? Quelques médailles, une tape dans le dos, une belle augmentation? We're hypocrites who hide behind fear and hollow principles. Nous sommes des hypocrites qui se cachent derrière la peur et des principes corrompus. And it never occurred to us that our loved ones might get caught up in the system we built. Et jamais nous avons pensé que nos êtres chers pourraient souffrir du système auquel nous avons contribué. Chang was the first one who had enough. Chang a été le premier à ne plus le supporter. But what did he do? He fled into retirement. Coward. I suppose he wouldn't have stood a chance against us. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa retraite, le lâche. J'imagine qu'il n'aurait eu aucune chance contre nous. What about the dozens of officers you've slaughtered? Don't you feel any remorse, man? N'as-tu donc aucun remords pour la douzaine d'officiers que tu as massacrés? Do you feel anything for the poor men and women you gunned down in the desert? Did you really think we wouldn't retaliate for that? Tu n'éprouves rien pour les hommes et les femmes que tu as battus dans le désert? Tu ne pensais quand même pas que nous n'allons pas réagir? In a world where protest is a crime, violence is the only way disputes can be settled. You know that better than anyone. Dans un monde où manifester est un crime, la violence est le seul moyen de régler les différends. Tu sais ça mieux que personne. So, is that it? You're here to deliver a sermon? C'est tout? Tu es venu ici pour me sermonner? No. I came here for justice. To finally reveal the truth about Saint Martha's. Non, je suis venu pour obtenir justice, pour révéler la vérité sur Saint Martha. Do you remember all those unexplained events during the investigation? Te souviens-tu de tous ces éléments inexplicables durant l'enquête? Strange government vehicle activity around the school a few days before the attack, false alarms throughout the city that kept leaving us short of squad cars. Des véhicules du gouvernement faisant des allers-retours près de l'école quelques heures avant l'attaque, les fausses alertes à travers toute la ville qui limitait notre capacité d'intervention. There's something wrong there, Frank. It's time we knew the truth. We just need to find the right government archive. Il y a quelque chose d'étrange dans tout ça, Frank. Il est temps pour nous de découvrir la vérité. Nous devons simplement trouver les bonnes archives à fouiller. All I hear is crackpot conspiracy theories. You need help, Harry. You need to stop this. Tu parles comme un cinglé qui croit à toutes ces théories du complot. Tu as besoin d'aide, Harry. Arrête-toi avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je dis c'est le gros, là, quand il les a fait venir. Je sais plus, le ministre, machin. Moi, je dis c'est lui qui a fait péter l'école. You and I both know, it's the thousands of police officers out there to keep this country running. Pour pouvoir installer son truc de surveillance, là. Tout comme moi, tu sais très bien que c'est grâce aux milliers de policiers que ce pays est encore debout. Every day, people get up and go to work. They take the kids to school, go shopping, go to the movies. They live their lives. Tous les jours, les gens se lèvent et vont travailler. Ils déposent leurs enfants à l'école, vont faire des courses, vont voir un film. Ils vivent leur vie. They go about their business because we make it possible.
because we keep them safe. Ils ne se préoccupent de rien d'autre parce que c'est notre boulot. Et ils n'en ont pas besoin parce qu'on est là pour les protéger. Forcément. C'est la police. L'alternative est la guerre, le terrorisme. C'est ça que tu veux ? Take away people's sense of security, deny them a peaceful life, leave them with nothing but uncertainty and chaos. Tu veux les priver de leur sécurité ? Tu veux leur voler leur droit à une vie paisible ? Tu veux les plonger dans le chaos et l'incertitude ? Our world isn't perfect, hell, far from it. But I'd rather have this than whatever nightmare you'd have us live in. Notre monde n'est pas parfait, loin de là. Mais je préfère celui que nous avons au cauchemar dans lequel tu voudrais que nous vivions. Mark my words, Harry. The next time we meet, I'll have that gun. And I won't hesitate to put a bullet between your eyes. Tu peux me croire, Harry. La prochaine fois qu'on se verra, je serai armé et je n'hésiterai pas à te coller une balle entre les deux yeux. Ah ouais, franchement, l'autre gros là, il a bien fait le taf. Il fait exploser une école. Forcément, derrière, il propose son projet de loi où on met des caméras partout, on surveille tout. Les gens qui ont des enfants qui vont dans les écoles, machin. Forcément, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Oui, on est d'accord, on veut une meilleure sécurité. Et après, ce qu'ils savent pas, c'est que bah, tu te fais entuber, quoi, parce que t'es surveillé de partout, ton téléphone, limite dans ta maison, des caméras partout dehors, sur internet, tu tapes n'importe quoi sur ton téléphone ou sur internet, ou tu dis n'importe quoi au téléphone, et bam, les mecs te tombent dessus, ils ont des dossiers après sur toi en disant. Alors comme ça, vous dénigrez le gouvernement. Et boum. Et tous ceux qui rentrent pas dans le moule, et ben, le gouvernement s'en débarrasse. Alors, je dis pas qu'il faut pas de surveillance. Je suis d'accord qu'il faut un minimum de surveillance, mais... Bah, déjà, il faut un minimum de surveillance. C'est crazy. Another raid within the space of a few days, and this time on the fucking Secret Service headquarters. We're not trying to be subtle, are we? Donc, je disais, il faut un minimum de surveillance et il faut que les mecs derrière, ils... Bah, il faut pas qu'ils l'utilisent pour leur propre profit, en fait. Faut pas utiliser pour le... Pour essayer de baiser des gens à droite et à gauche, quoi. C'est de la folie. Un autre assaut en l'espace de quelques jours. Et cette fois-ci, la cible est le QG des services secrets. C'est un peu gros, non? Not at all. But what else can we do? Si, mais que pouvons-vous nous faire d'autre? They're on to us now. If we don't step up our game, we ain't gonna succeed. Ils sont après nous. Et si nous n'intensifions pas nos efforts, nous n'y arriverons pas. And that's what Tom wanted, you know? Bah non, il faudrait qu'il se cache, qu'il se mette à Londres, quoi. T'attends un peu que ça se calme. Et c'est ce que Tom aurait voulu, tu sais. We just gotta hope that when it's all finally over and people learn the truth, they'll change their minds and rise up against the authorities. Nous devons juste espérer qu'une fois que tout sera terminé et les gens connaîtront la vérité, et qu'ils décideront de se soulever contre les autorités. Ah oui, petite info sur le premier épisode, en fait, sur la première BD. En fait, à la fin, on est mort. Voilà. J'ai vu que dans les succès, en fait, de Steam, qu'on aurait pu survivre, en fait. Je ne sais pas ce que ça aurait fait si on aurait survécu, mais... But how? Where's the evidence? Do we even know what we're looking for? Mais comment faire? Où est cette preuve? Est-ce qu'on sait au moins ce que l'on doit chercher?
Je pense que bah là, il sera encore avec eux ou et que dans l'épisode 2, enfin dans le tome 2, ils auraient pas dit qu'ils avaient retrouvé le fils du ministre mort et tout ça. Hell if I know, but my brother believed in the people. He was sure they'd stand up in the face of injustice if they saw it for themselves. Aucune idée, mais mon frère avait foi en l'être humain. Il était persuadé que les gens se soulèveraient face à une telle injustice si on leur donnait la chance de connaître la vérité. And I believed in my brother. Et j'ai foi en mon frère. I hope you're right. J'espère que tu as raison. Yeah, and I hope this goddamn skyscraper has something worthwhile in it. This ain't gonna be easy. Ouais, j'espère que ce gratte-ciel contient ce que nous recherchons, parce que ça ne va pas être facile. Oh là là, va y avoir du fight. On va prendre un bâtiment en assaut. Ça va être tendu. Alors, on a le 2, on a le 9. Alors, y a-t-il des gens? Attends, y a personne. J'aurais pu rusher comme How's it going, Tim? Comment ça se passe de ton côté? C'est qui? Ah ouais, c'est le gros. Meg's already inside. Hurry up. Alors. Objectif, connecter les sources d'alimentation, faites tourner les commutateurs, d'accord. Alors, non, là c'est bon. Lui c'est bon. C'est bon. Et lui, c'est bon.
Le Barracuda restaurant. Unidentified vehicles reported on the corner of 34th and 11th. Véhicule non identifié. Je recommence. Véhicule non identifié repéré au coin de la 34e et 11e. Squad car 17 here. I'm on it. Over. Ici voiture de patrouille 17, on est sur le coup, terminé. All free units, all free units. Fire at the South Park Metro Station. Secure the area. Support the fire brigade. À toutes les unités, à toutes les unités. Un feu s'est déclenché dans la station de métro South Park. Sécurisez la zone et aidez les sapeurs-pompiers. Ah oui, c'est ce qu'on vient de faire en fait. Le gros il a posé ça dans la station de métro pour faire une diversion pour que l'autre elle puisse. J'aime beaucoup le ragdoll des morts en fait. Quand tu marches dessus, ils se prennent dans tes pieds. I'm at the scene. Nothing going on here. Over. Je suis sur les lieux, il n'y a rien. Je suis sur les lieux, il n'y a rien ici. Terminé. Stay alert. We've got reports of gunfire. Backup's on the way. Restez vigilants, on nous rapporte des échanges de tirs. Des renforts sont en route. Copy. Over. Bien reçu, terminé. Seems Meg made a bigger splash than you did at the station. On dirait que Meg a fait plus fort que toi au commissariat. Afraid so. You'd better get ready. All hell's about to break loose. On dirait bien tu devrais préparer. Pardon. On dirait bien tu devrais te préparer. Ça va bientôt être l'enfer ici. On passe au plan B. Yeah. Good luck, man. I'm going in. Ouais, bonne chance à toi, j'y vais. Je vais au bout parce que je veux voir s'il y a pas un truc par terre ou on ne sait jamais. Meg's got all the heat on her, so you should be fine. Try to reach the underground archive. Police radio tells me a small
C'est qui qu'on a, c'est le flic? C'est Franck? Protéger le bâtiment. Mais non, ne monte pas, je veux que tu recharges. Eh ben on est beaucoup là. C'est quoi, ces deux flics qui défendent et une qui attaque? C'est qui? Gentil, méchant? La police est dans le bâtiment. D'accord, donc. Non, ça va pas. Faut faire des circuits fermés. Voilà.
là. Et ça va pas. Je suis dans la salle des archives. Not seeing anything interesting yet. Je ne vois rien d'intéressant ici. No, nothing here. Non, il n'y a rien. Let's hope Meg has more luck upstairs. J'espère que Meg a eu plus de chance de son côté. More luck with what? Plus de chance avec quoi? More luck with what, Jim? Plus de chance avec quoi, Jim? Dis-moi. Fucking traitor! You're the one who set the explosives at the police station. Sale traite! C'est toi qui as placé les explosifs au commissariat. Easy now. Let's talk. Calme-toi. Parlons. Ouais, tu vois, tout de suite, la dernière fois, on n'avait pas d'armes et il avait un sniper. Il y avait 3 snipers sur notre tête. Il faisait le malin. Maintenant, il n'y a plus de snipers et nous, on a une arme. The blood of countless officers is on your hands. Ça chie dans la culotte, hein. Le sang de ces policiers est sur tes mains. You piece of scum. Espèce d'ordure. Boum! Meg, réponse, j'ai perdu le contact avec James. Je pense qu'il n'a rien trouvé, et toi? Hit the jackpot. Just give me a few minutes. C'est le jackpot, donne-moi quelques minutes. Y'a pas un mec qui est rentré dans le bâtiment avec sa mitraillette là au début? Je sais plus c'était qui là. We gotta hurry. There's too many of them. They cut off the ground floor. Il faut qu'on se dépêche, ils sont trop nombreux et ils bloquent le rez-de-chaussée. I'm almost done. Sending it to Rick. J'ai presque terminé, je l'envoie à Rick. Fuck. No connection. Merde, il n'y a pas de connexion. They're scrambling the signal. We'll send it later. Let's go. Ils brouillent le signal, nous l'enverrons plus tard, allons-y. The ground floor is closed off. We gotta get to the roof. Le rez-de-chaussée est bloqué, il faut qu'on passe par le toit. Nothing from Rick and James. Let's hold here. Aucune nouvelle de Rick ou James. Restons ici. We'll wait for the charges downstairs to go off, count to five, then make a dash to the other side of the roof. Nous allons attendre que les choses... Quoi? Ah oui, pardon. J'ai un petit rototo en même temps, donc c'est pour ça. Nous allons attendre que les charges explosent. Puis, nous allons compter jusqu'à 5 et tenter de passer de l'autre côté du toit. Ah oui, ça va être tendu, quoi. Faut sauter. En plus, il pleut. C'est ça ton meilleur plan? Attendre? If we lost our connection so quickly and the signal inside the building is scrambled, the charges might not go off. Si nous perdons notre connexion trop rapidement et que le signal à l'intérieur du bâtiment est brouillé, les charges n'exploseront pas. Bien vu. You're right, fine. Time to improvise. Tu as raison, ok, il est temps d'improviser. Run for it. C'est maintenant ou jamais. Freeze. Don't fucking move. Plus un geste, on ne bouge plus. Captain Frank Robbins. We found the evidence. We can prove the attack on St. Martha's was carried out by special forces. Nous avons trouvé les preuves.
Nous pouvons démontrer que l'attaque de Saint-Martin a été menée par les forces spéciales. Save it for the judge. Gardez ça pour le juge. You know the truth won't make it anywhere near court. They'll destroy it. Vous savez très bien que la vérité n'arrivera jamais devant le tribunal. Ils vont l'enterrer avant. It's unlikely we'll survive in custody that long anyway. Et il est impossible que nous survivions à notre garde à vue. Fuck yourself, ah oui, ça c'est obligé. J'emmerde vos théories du complot moralisatrice. You really think anyone's gonna listen to a pair of serial killers? Vous pensez vraiment que quelqu'un voudra écouter une bande de tueurs en série? We have proof. Nous avons la preuve. Shit. Military choppers. Merde, des hélicos de l'armée. Vous êtes faits, les gars. Three hostiles on the roof. Trois cibles sur le toit. One armed. Gun pointed at the other two. L'une d'elles est armée, elle tient les deux autres en joue. Might be a police officer, unable to verify. C'est peut-être un policier impossible à confirmer. Copy that. Executing kill order. No loose ends. Reçu 5 sur 5. Ordre d'élimination confirmé. On ne laisse rien au hasard. Oh! Dans le doute, on bute les trois. C'est ce que ça veut dire. Connexion perdue, ouais, forcément. Les fameuses preuves. We are the liberated. The state media calls us murderers, terrorists, but it was the government that declared war on the people. We will no longer tolerate their lies, nor fear their wrath. We sacrificed everything to uncover the truth, and now we are sharing it with you. These documents reveal the sickness in our society. Read them, share them, see how your masters have manipulated and deceived you. It's time to wake up. It's time to say no to the system. Preuve de l'implication du gouvernement à Saint-Martin. Ajouté il y a quelques secondes, nous avons les libres. Attends, nous savons. Quoi? Non, pardon. Nous sommes, pardon, excusez-moi. Nous sommes les. Ah oh, merde, j'ai tout. Ah merde, ça, j'ai pas eu le temps de lire, ça s'est effacé. Par contre, il y a plus de dislikes que de likes. Est-ce que ça a fait l'effet? Je ne sais pas. Another big political scandal. I hope everyone's got their popcorn ready. Oups, on dirait qu'on va avoir droit à un nouveau scandale politique. Sortez le popcorn. Pas mal de dislikes. C'est de l'infox, c'est sûrement encore un coup des Russes masqué en tant que spam. Ah merde, je peux choisir à chaque fois, je laisse faire moi. Là j'ai cliqué sur oui, c'est un spam. Yeah, nice Photoshop work there, idiots. Pas mal l'usage de Photoshop, les débiles. Les débiles, mais même ma grand-mère fait mieux. Et ça fait 7 ans qu'elle est sous terre.
Come on, guys, this looks legit. Déconnez pas, ça a l'air vrai, mon oncle travaille dans les agences de sécurité et il disait toujours que c'était avec ce genre de merde qu'il s'en sortait à chaque fois. Partagez ou likez. Ah. Bull fucking shit. C'est un tas de conneries, encore des salopes c'est le point de créé par les libéraux. Et merde, notre feu, je reconnais. Ils sont perdus, grandissaient un peu. C'est de vouloir supprimer le suspect. Ça se termine comme ça. LOL. 20 gigabytes of files. Mort de rire. Yeah, no. 23 gigas de fichiers, ouais non merci, je vais attendre la sortie du film. Je mets un pouce. Je mets un pouce parce que c'était marrant. C'est quoi votre problème à tous? Il y a des vrais trucs dans ces fichiers, téléchargez-les et voyez vous-même, on vous ment. Tiens, j'ai mis yes, j'ai mis pouce en l'air, pouce en l'air. Warning. Attention, après avoir téléchargé les fichiers, mon antivirus est devenu dingue. Ne téléchargez pas ces fichiers, ils contiennent des virus pour hacker vos ordinateurs. Là, j'y appuie pas. Je laisse le... Ah, les gens, ils sont d'accord. Truquer des infos sur une attaque terroriste, quelqu'un devrait leur coller une bonne raclée, je suis certain qu'on peut tracer leur adresse IP. Qui en est? LOL, the admin deleted the attachments. Can someone mort de rire, l'admin a supprimé les fichiers joints, quelqu'un peut me dire ce qu'il y avait dedans? J'ai mis pouce en l'air, hein. J'ai mis pouce en l'air. Ouais, ouais, on s'en fiche. Pourquoi personne ne parle du match de ce soir? Vous n'avez pas vu ce touche d'un, voilà un truc qui mérite la une. Ouais, pouce en l'air, pouce en l'air. New email from Model Citizen at Gava. Nouveau courrier. Alert. Your alert. Citizen votre credit system crédit citoyen a été signalé for social non-compliance. Pour non-conformité sociale. Attends, j'ai fini. Bon, on fait les DLC avec, tant pis. Je sais pas, il me parlait de 4 et 5 dans les succès Steam. 5 et 6 je crois, ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais, 5 et 6. Mais je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave, on fait les DLC, on verra bien ce que c'est. Honey, can you take the kids to school? I need to head into the office early. Chérie, tu peux emmener les enfants à l'école, je dois aller au bureau plus tôt. Huh? What time is it? I'll have to phone work and tell them I'll be late, but it should be all right. You get going. Hein? Quelle heure il est? Je vais devoir rappeler mon boulot pour leur dire que je serai en retard, mais ça devrait aller, vas-y. Ah oh bah c'est gentil ça. An investigation is underway following the skyscraper attack that took place last week. Une enquête est en cours suite à l'attaque du gratte-ciel la semaine dernière. C'est quoi, c'est... Preparations for the funeral of Captain Frank Robbins, the hero of St. Martha's, who tragically died during the attack, are already underway. Les préparatifs sont en cours pour l'enterrement du capitaine Frank Robin, le héros de Saint-Martin, qui a connu une mort tragique lors de l'attaque. D'accord, donc c'est la suite directe, ok.
Morning, Steve. Salut, Steve. Morning, Bob. Salut, Bob. How's Jen? We've all been missing her. Comment va Jen? Elle nous manque à tous. She's fine. Settling into the new position. She definitely prefers the regular hours. Elle va bien, elle s'adapte à son nouveau poste, elle préfère vraiment avoir des horaires normaux. Yeah, the graveyard shifts can be a real killer. Sure wish I could get a promotion like that. Guess I need to get working on my KPIs first, though. Ah ouais, bosser de nuit, c'est vraiment tuant. J'aimerais bien obtenir une promotion comme la sienne, mais je crois que je dois améliorer mes KPI d'abord. Je ne sais pas ce que c'est. You said it. Just gotta keep our nose instead of grindstone, huh? Tu l'as dit, il faut juste qu'on garde le nez dans le guidon, hein. Got a message from Liam. Des terroristes continuent à diffuser en ligne de faux documents à propos de la tragédie de Saint-Martin. Je veux que vous redoubliez d'efforts pour lutter contre cette désinformation. Let's see what we have here. Voyons voir ce qu'on a là. George Nash. All right, check profile. Alors, on ne peut pas ignorer les documents publiés par les libérateurs. Trop de questions importantes restent sans réponse. Il faut un débat équitable, rationnel sur les preuves qui ont été révélées. Voir le profil. Seems clean. Utilisateur actif depuis 3 ans. Activité principale, vulgarisation scientifique. Aucun avertissement. Vérifier les données par adresse IP. Makes good money. And a family man. Orientation hétérosexuelle. État de santé, pas de maladie chronique. Revenu de l'an dernier. Ouais. Let's see what we missed. Marié, 2 filles, une petite fille. Dernière accusation, machin. Aucun avertissement. Objectif, faire chuter le score ACC sous 0. Analyse terminée, aucune infraction manquée. Score SCC inchangé. Just another scumbag. Comment se passe ta journée, chérie? Busy, lots of new cases this week. I sent you an email about a guy I found. Take a look when you get a chance. Je suis bien occupé, beaucoup de nouveaux cas cette semaine. Je t'ai envoyé un email à propos d'un type que j'ai trouvé. Regarde ça quand tu auras le temps. I saw. It's already on my to-do list. Just phoned to let you know I might have to stay longer today. Et j'ai vu, c'est déjà sur ma liste des choses à faire. Je t'appelais juste pour te dire que je vais peut-être devoir rester plus tard aujourd'hui. Remember to pick the kids up on time, okay? Just watch out, Michael's in one of his moods again. N'oublie pas d'aller chercher les enfants à l'école, ok? Et je te préviens, Michael est encore d'une humeur massacrante. Where were we, George? Okay. See what we find now. Confirm. No ticket? Bad man. But not bad enough. Utilisation des transports en commun sans billet. Recommande étendre le champ à 3 ans.
Deux utilisations de transport en commun sans billet, traversée, passage piéton, éclairation. S'étendre à un champ maximum. On doit le discréditer en fait. Commun sans billet. All right, now we're talking. Suspect a organisé une collecte de fonds. C'est déjà écrit le suspect. Hein. En ligne, sans l'autorisation des autorités compétentes exigées par la loi, le suspect a récolté une petite somme d'argent. D'après les rapports de police, il a expliqué avoir eu besoin de rassembler des fonds rapidement pour payer le traitement de sa petite fille malade. Il a dit qu'il ignorait qu'il lui fallait une autorisation. L'affaire a été classée sans suite. Baisser le score SCC de George Nash. Renvoyer l'affaire au bureau du procureur pour qu'elle soit réexaminée. Objectif atteint, score SCC inférieur à 0. Signaler à la police. Vous voyez comment ils trafiquent les trucs? Hi honey, looks like I'll have to stay longer at work after all. Allô chérie, je vais devoir rester plus longtemps au boulot finalement. We're still organizing the funerals for the victims of last week's skyscraper attack. On est encore en train d'organiser l'enterrement des victimes de l'attaque du gratte-ciel de la semaine dernière. I'll get something for dinner on the way home, okay? Je prendrai à manger en rentrant, ok? Okay, I let the kids know they're in for a treat. Ok, je dirai aux enfants qu'ils vont se régaler. Oh, avant que j'oublie, je t'ai envoyé d'autres informations sur ce professeur. J'espère que ça te servira à plus tard. Mais il est déjà score 0, là, on va pas l'enfoncer encore plus. Tu t'ennuies, Georges, tu veux mettre le bazar. Tu cherches à mettre un peu d'excitation dans ta vie. Des problèmes d'impôts. Merde, j'ai pas eu le temps de... pas eu le temps de lire. You taking off? Tu y vas? Yeah, I have to pick up the kids. Oui, je dois aller chercher les gosses. See you tomorrow then. À demain alors. There you are. Vous voilà. How was school? Comment ça s'est passé l'école? Comment ça s'est passé à l'école? Okay. Ouais, j'aurais plus dit comment s'est passé l'école. Ça a été, mais les maths c'est tellement nul. Well, how about I help you with it after dinner? I bet that would make it more fun. Et si je t'aidais à les faire après manger, je parie que ça irait mieux. Mom, today at school we talked about work and what our parents do. What do you and Daddy do? Maman, aujourd'hui à l'école on a parlé du travail de nos parents. Qu'est-ce que vous faites, papa et toi? We catch bad people, Angel. We stop them from hurting everyone else. On attrape les méchants, ma chérie. On les empêche de faire du mal à d'autres gens. Wow, so you're like superheroes. Cool. I want to do that when I grow up. On prend des gens qui ont limite rien fait et puis on s'arrange pour qu'ils ont fait quelque chose, quoi. Ouais, vous êtes des sortes de super-héros, génial. Moi aussi, je veux faire ça quand je serai grande. On en reparlera. George Nash, open up, police. George Nash, police, ouvrez. Le mec ouvre.
Il est pas armé. Ils auraient pu juste faire, je sais pas, le pousser pour dire rentrez dans la maison, machin, allongez-vous. Le coup de poing direct. Stay right there, scumbag. Ne bouge pas, ordure. Le gars, il doit se demander ce qui se passe, pauvre homme. Papy! Stand back! Reculez. This man has been charged with disturbing the peace and spreading terrorist propaganda. All requests to contact him will be denied. If there is any indication you are complicit in his crimes, charges will be brought against you. The law is the law. Cet homme est accusé de troubler l'ordre public et de répandre de la propagande terroriste. Toute demande de visite sera refusée au moindre signe de complicité. Envers ces crimes, vous serez aussi poursuivi. La loi, c'est la loi. Non, mais c'est quoi ce ramassis de conneries? Ton grand-père, c'est un terroriste. C'est moi que je le dis. Je suis la loi. Ah merde, c'est juste de la lecture. On n'a rien fait en fait. C'est pourri. Je pensais qu'il allait y avoir de l'action. En fait, on fait que de la lecture quoi. Been doing a lot of overtime recently. I'm getting a little worried. Tu fais beaucoup d'heures supplémentaires en ce moment, je commence à m'inquiéter. Yeah, it's been intense. Hopefully it'll quiet down again soon. I just don't want anyone to think I'm not up to it, you know? Oui, le rythme est intense, avec un peu de chance, ça va bientôt se calmer. Je n'ai juste pas envie qu'on croie que je ne suis pas à la hauteur, tu comprends? The minister will see you now. Le ministre va vous recevoir. Minister, it's an honor. Please accept our condolences. We were shocked when we heard about your son's death. Monsieur le ministre, c'est un honneur, veuillez accepter nos condoléances, nous avons été horrifiés d'apprendre la mort de votre fils. That's very kind of you. These are trying times indeed, but we cannot let those animals get the better of us. Where are my manners? Please, take a seat. Merci de votre gentillesse. Nous vivons une époque bien noire en effet, mais nous ne pouvons pas laisser ces monstres l'emporter sur nous. Ah, j'en oublie les bonnes manières. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Now, as you well know, there have been many casualties in our struggle for a safe and prosperous world. My son is only one in a long string of senseless murders. Unfortunately, I've brought you here today to discuss another tragic death. Bon, comme vous le savez, nous avons subi de nombreuses pertes dans notre lutte pour offrir un monde sûr et prospère à tout un chacun. Mon fils n'est que le dernier d'une longue série de meurtres insensés. Malheureusement, je vous ai convoqué ici aujourd'hui pour parler d'un autre décès tragique. As it stands, Captain Frank Robbins' state funeral is of utmost importance. He was a beacon of stability and integrity in a sea of chaos, a role model for all citizens. À l'heure actuelle, les funérailles nationales du capitaine Frank Robbins sont de la plus haute importance. Il était un modèle de stabilité et d'intégrité dans le chaos, un exemple à suivre pour tous les citoyens. He fought night and day to stamp out the terrorist threat to our great nation. Frank, to put it simply, was a true hero. Il luttait nuit et jour pour éradiquer la menace terroriste qui pèse sur notre belle nation. Frank était un héros, tout simplement. Now, his sacrifice must not be in vain.
His spirit is needed more than ever before, and it is my intention that he is glorified and remembered by us all. Son sacrifice ne doit pas avoir été vain. Son esprit doit nous accompagner plus que jamais, et j'ai l'intention qu'il soit honoré pour tous et jamais l'oublier. This funeral of his needs to be a demonstration of unity. It is absolutely imperative that we rally the nation around him. Ses funérailles doivent être une démonstration d'unité. Il est absolument impératif que l'on rassemble le pays autour de Frank. I don't want any surprises. Is that clear? Je ne veux aucune surprise, c'est clair? I'm asking for your support and understanding in this matter. Je vous demande votre aide et votre compréhension à ce sujet. Of course, you can count on us, Minister. Bien sûr, vous pouvez compter sur nous, Monsieur le Ministre. One more thing before you go. Let the authorities deal with Frank's files. He deserves to be remembered as a hero. Une dernière chose avant que vous n'y alliez, laissez les autorités s'occuper des dossiers de Frank. Il mérite qu'on se souvienne de lui comme d'un héros. Everyone has their weaknesses, but in this case it would be better for the future of this country if we let sleeping dogs lie. Tout le monde a des faiblesses, mais dans ce cas précis, il serait mieux pour l'avenir de ce pays de fermer les yeux. Ah oui, tu vois, donc voilà, c'est ça. C'est lui qui décide qui est blanc et... Enfin, qui est... comment on appelle ça? Qui est clean et qui ne l'est pas. Et il a décidé que Frank, même s'il y avait des petits trucs un peu bizarres... Of course, Minister. We understand the gravity of the situation. Bien sûr, monsieur le ministre, nous comprenons la gravité de la situation. Good. And remember, glory to the heroes. Bien, et n'oubliez pas, gloire aux héros. Glory to the heroes. Gloire aux héros. Frank's profile has disappeared from the CCS, just as we expected. Le profil de Frank a disparu du SCC exactement comme nous l'avions prévu. It wasn't going to be much use anyway. If you're interested, I'm almost finished editing the footage we got from the waterfront. Il n'allait pas nous être très utile de toute façon. Si vous voulez, j'ai presque fini d'éditer la vidéo qu'on a obtenue du front de mer. Sure. Let's see if you're as good as you say. Oui, voyons voir si tu es aussi doué que tu le dis. Of course I knew the government was behind St. Martha's. We all did. But what was I supposed to do? The ministers are above the law. I don't have the power to stop them. Bien sûr que je savais que le gouvernement était derrière Saint-Martin. On le savait tous, mais qu'est-ce que j'étais censé faire? Les ministres sont au-dessus des lois, je ne peux pas les arrêter. Ah, vous voyez, je l'avais dit. So, what do you think? Convincing. Alors, vous en pensez quoi? C'est convaincant? Looks like you can keep bragging, Rick. Good job. On dirait que tu peux continuer à te vanter, Eric. Beau travail. What the hell's going on here? Mais je crois que c'est pas une vraie phrase. Hein. Mais qu'est-ce que vous foutez? Ah ben, elle est pas morte. I remember the conversation. He didn't say anything like that. Je me souviens de la conversation. Il n'a rien dit de tel. Ben voilà. Mais elle était pas censée être sur le toit, elle. Who the hell cares? He knew what was going on. He just didn't have the balls to admit it. Now he'll get a chance to tell the truth. On s'en fiche, non, il savait ce qui se passait, il n'avait juste pas les couilles de l'admettre. Maintenant, on a une chance de lui faire connaître la vérité. Some simple video processing, a deep fake and voilà. Think about it, Meg. If they make Frank into some kind of martyr, this video will blow a hole in their bullshit. Un peu de traitement vidéo, du deepfake, et voilà, réfléchis, Meg, s'il essaie de faire de Frank une sorte de martyr,
Cette vidéo va foutre en l'air leurs mensonges. He doesn't deserve to be remembered as a hero, Meg. Il ne mérite pas qu'on se souvienne de lui comme d'un héros, Meg. I ever tell you about my niece, Emily? She would have been your age now. Je t'ai déjà parlé de ma nièce, Emily. Elle aurait ton âge maintenant. She was raped by some pumped up prick officers who had one too many beers. Elle a été violée par des salopards d'officiers de police qui avaient un peu trop bu ce jour-là. At first she kept it from us, but little by little it ate away at her. The confident young lady I knew slowly disappeared. When I confronted her about it, she broke down and told me everything. Au début, elle nous l'a caché, mais petit à petit, ça l'a miné. La jeune fille sûre d'elle que je connaissais a lentement disparu. Quand j'ai fini par le forcer à me parler, elle a craché et m'a tout raconté. I was naive. I encouraged her to file a report to fight for justice and make sure they paid for what they did. J'étais naïf, je l'ai encouragé à porter plainte, à se battre pour la justice, pour qu'il paie pour ce qu'ils avaient fait. Even when they laughed her out of the station, she managed to find the courage to file a lawsuit, but it was her word against theirs. On lui a ri au nez, on l'a chassée du poste de police, mais elle a quand même eu le courage d'engager des poursuites, sauf que c'était sa parole contre la leur. But they were bulletproof. All thanks to Frank. Every power he'd ever exploited, every loophole he'd ever created, it all meant the police were beyond question. Et ils étaient intouchables, tout ça grâce à Frank. Chaque avantage qu'il avait un jour exploité, chaque faille qu'il avait un jour créé signifiait que la justice était au-dessus des lois. But that wasn't the end of it. I don't know how the fuck they did it, but they managed to make her out as the aggressor. Suddenly she was facing two counts of assaulting a police officer. Mais ce n'est pas terminé, je ne sais pas comment ça a été possible, mais ils ont réussi à la dépeindre comme ayant commis l'agression. D'un seul coup, elle s'est retrouvée sous le coup de deux chefs d'accusation pour violence à agent. Corruption breeds corruption. La corruption engendre la corruption. When they found out it was my niece, Frank stepped in. And just like that, they offered her a settlement. Quand ils ont découvert que c'était ma nièce, Frank est intervenu et brusquement, ils lui ont proposé un accord à l'amiable. Emily jumped off the roof of her apartment block. She couldn't live with the disgrace. Emily a sauté du toit de son building. Elle ne pouvait pas vivre avec cette honte. So I did what the courts couldn't. I sent those cowardly motherfuckers to an early grave. And I should have done the same to Frank. Alors j'ai fait ce que la justice avait été incapable de faire. J'ai envoyé ces salopards directement en enfer. Et j'aurais dû faire pareil avec Frank. Meg. Ouais, ça c'est un autre problème aussi. This team sacrificed too much to get this far. Don't go soft on us now. Cette équipe a trop sacrifié pour arriver jusqu'ici. Meg, ne nous lâche pas maintenant. Des flics. Okay. What's the plan? Des flics qui violent une jeune fille et qui finalement. C'est sa parole contre des agents de police. Ouais, effectivement. Ok, quel est le plan? All right. Parfait. Je pense que. Ouais, effectivement, c'est. Objective. Get to the broadcast room without being detected. Rendez-vous à la salle de diffusion. D'accord. Ah bah là on peut jouer. Waouh. Power supply. You'll only have a few minutes to sneak into the broadcast.
Objective: get to the broadcast room without being detected. Je sais pas, il y a plein de gens qui peuvent me voir, mais apparemment ils considèrent que c'est seulement avec la lampe torche qu'on peut me voir. J'avais appuyé sur A. Enfer et damnation. Alors. Ça c'est bon. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. C'est là qu'il y a un souci. Ouais, non, ils doivent tous être reliés, donc non, j'ai un gros souci en fait. Ah bah voilà. J'ai fait qu'un seul mort, hein, vous avez vu. J'ai essayé de le faire en discret, mais... Ah ouais, elle va peut-être sauver... Défendre la salle jusqu'à ce que...
Là, je suis mort. Voilà, comme ça c'est fait. Oui, je vise extrêmement mal. Waouh, elle avait un parachute. Elle était parée à toute éventualité, dis donc. Attention, téléphone. Ah, la dernière fois, il nous avait mis un QTE, peut-être que là, non? Good afternoon. Ah, on s'est fait attraper. Bon après-midi. Meg, right? Do you mind if I call you Meg? Tu t'appelles Meg, c'est ça? Ça ne te dérange pas qu'on se tutoie? That's okay. No rush. But sooner or later, you'll want to talk. Ce n'est pas grave, il n'y a pas d'urgence, mais tôt ou tard, tu vas vouloir parler. You see, Meg, you're never leaving this place, so get comfy. We've got all the time in the world. Tu vois, Meg, tu ne quitteras jamais cet endroit. Alors mets-toi à l'aise, on a tout notre temps. You must be curious about what happened after your little stunt with the video. Tu dois te demander ce qui s'est passé après ton petit coup de pub avec la vidéo. Sorry to disappoint you, Meg. Nobody saw it. It never even left the building. Désolé de te décevoir, Meg, mais personne ne l'a vu. Rien n'a quitté le bâtiment. But it gets better. We had someone watching you this entire time. Mais attends, la suite est encore mieux. Quelqu'un te surveillait pendant tout ce temps.
Someone who wanted a chance to redeem himself, to leave the past behind and help build a brighter future for us all. Quelqu'un qui voulait une chance de se racheter, de laisser le passé derrière lui et d'aider à construire un avenir meilleur pour nous tous. I'd say he's earned it. Wouldn't you? Je dirais qu'il l'a bien mérité, tu ne trouves pas? L'enfoiré. C'était censé être notre ami. Attendez, je regarde juste un truc. Ben non, c'est bon. Ouais, on s'en fout, quitte. Bon, bah, on a fini. Je pense que je referai des épisodes. Je pense qu'il va y avoir des suites ou des machins. Je pense que je vais refaire la, je referai la suite à ce moment-là. Et puis voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et un nouveau stream et comme ça, ouais. Non. Comme ça. Sur ce, prenez soin de vous et à ciao les amis.